Salut tout le monde, dans un nouveau Gaming Giza consacré aujourd'hui à un jeu rétro bien de chez nous, bien de notre enfance, le Roi Lion. Alors le Roi Lion, pour resituer un petit peu pour ceux qui ont moins de 20 ans, c'est sorti en 1994 et à l'époque de sa sortie, le film était vraiment un phénomène quoi. Tout le monde en parlait, le 20h, il y avait des livres, il y avait des figurines, il y avait des CD audio en anglais et en français d'ailleurs. Moi je me suis fait couillonner en achetant la version anglaise. Il y avait des albums de cartes à collectionner, de cartes autocollantes, de stickers, enfin, il y avait vraiment tout Roi Lion, c'était la folie. Alors naturellement, avec la sortie du film est venue la sortie du jeu, sur tous les supports de l'époque. Moi, ça va être une vidéo sur la version Mega Drive, puisque c'est celle que je possède, mais le jeu est sorti sur PC, Super NES, Game Boy, NES, enfin, personne ne pouvait échapper au jeu. Évidemment, comme tous les jeux Disney, Virgin Interactive de l'époque, ça s'annonçait comme un énorme jeu très bien foutu. Ils avaient déjà fait Aladdin l'année précédente, qui est un excellent jeu de plateforme que je conseille à tout le monde. Naturellement, le Roi Lion, bah, ça faisait baver tout le monde, puisque le jeu était annoncé comme magnifique. On peut voir d'ailleurs ici, comme il se vante, que le jeu fasse 24 mégas, c'est-à-dire une version supérieure des jeux Mega Drive habituels. Donc, bah, on va voir 18 ans plus tard ce que vaut vraiment le jeu, ce qu'il a dans le ventre, et s'il a bien vieilli. Et j'espère que le test, même si tout le monde en a parlé en long, en large, en travers, ne sera pas trop rébarbatif, et que ça plaira à la personne qui m'a demandé. Allez, c'est parti, embarquons-nous pour la savane. Au fait, si vous vous demandez, j'étais moi-même une très très grande fan du Roi Lion. Pour preuve, eh ben même ma console est aux couleurs de Simba. Eh oui, c'est un vrai autocollant d'époque, on n'en fait plus des comme ça, heureusement, quelque part. Et je le laisse précieusement là où il est parce que je pense que si j'y touche, il va se désagréger tellement il est vieux. Allez, c'est parti! Pour du vrai rétro à l'ancienne, il nous faut une vraie console et une vraie cartouche à l'ancienne. En avant, Simba, voyons voir ce que t'as dans le ventre. Alors, ce jeu est vraiment typique des jeux Disney de l'époque, qui étaient exclusivement des jeux de plateforme. Mais ça n'en fait pas pour autant un mauvais jeu, hein. Les jeux Disney étaient très bons, hein. C'était vraiment des références. Donc ce jeu est basé sur 10 niveaux qui vont nous permettre de suivre Simba enfant pendant les 6 premiers et les 4 derniers, eux, seront jouables avec Simba adulte. Donc c'est assez original puisque ça suit la progression du film et ça renouvelle un peu le gameplay en cours de route, hein, ce qui est pas un mal, vous allez le voir. Alors pour faire le tour de la question, je vais vous montrer 3 niveaux, un avec Simba enfant, un avec Simba adulte. Et un qui est symptomatique de la grande mode de l'époque, qui est un niveau en pseudo 3D. Vous allez voir ce que ça donne, c'est assez épique. Donc bah écoutez, on va voir comment rugit un peu ce petit lionceau. C'est parti! Donc pour illustrer Simba enfant, j'ai choisi ce niveau, qui est le cinquième niveau du jeu, parce qu'il regroupe un peu toutes les qualités et tous les défauts de ce titre. Alors, la première chose qu'on remarque lorsqu'on ouvre la console, c'est tout simplement la beauté des graphismes. Regardez-moi ces couleurs, regardez-moi les détails, regardez-moi la fluidité de l'animation de Simba. Ce jeu est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, il y a un effet digitalisé qui, je pense, a été fait volontairement pour une raison très simple. L'année précédente était sorti Aladdin, qui est un excellent jeu de plateforme. Mais Aladdin était dans un style dessin animé tout à fait assumé. Je pense qu'ils ont voulu faire la différence entre les deux jeux, également au niveau visuel, en faisant vraiment l'impression qu'ils avaient pris des scènes du jeu, du film, dans les graphismes, dans les animations, dans les personnages, et qu'ils avaient mis directement dans le jeu. Je pense que ça contribue également à la mode de la 3D qui sévissait à l'époque dans les jeux de plateforme, comme on verra avec le niveau suivant. Donc, Le Roi Lion, hormis ses magnifiques graphismes, c'est également des musiques de super qualité. Pour la Mega Drive, je les trouve vraiment excellentes, et je les préfère la version Super NES, qui sont plus mélodieuses pourtant, mais je trouve les versions Mega Drive beaucoup plus nerveuses, et de meilleures, du coup bien meilleures pour l'ambiance. Je vais vous faire une démonstration en vous laissant 10 minutes, 10 secondes, rassurez-vous, juste 10 secondes de la BO de ce jeu. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment de grande qualité, surtout que toutes les musiques sont inspirées de la bande son du film. La plupart des chansons d'ailleurs, la plupart des niveaux, je veux dire, reprennent le nom de chansons, ce qui est assez sympathique.
Je crois qu'il y a juste une ou deux musiques qui ne sont pas enfin, qui sont originales, que je trouve d'ailleurs de moins bonne qualité hein, que les autres. Alors, comme vous avez pu le voir, le gameplay est à ce point assez limité. Hein. C'est avant tout de la plateforme. L'action se résume au fait de devoir tuer les différents ennemis de trois façons différentes. La plupart du temps, en leur sautant dessus, mais certains, comme les porc-épics, demanderont à ce qu'on leur crie dessus pour les retourner, pour pouvoir leur sauter sur le ventre. Soit leur sauter directement dessus, comme avec les caméléons, soit encore différent, sauter sur les insectes qui vont exploser, donc il faut s'éloigner. Évidemment, pour un adulte, c'est rien de bien compliqué, mais pour un enfant, ça demande un peu plus de réflexion. Hein. L'autre particularité du jeu, bah, ce sont les pièges. Dans ce niveau, ce sont des pierres qui me tombent dessus qui sont particulièrement pénibles, ou les pierres qui roulent. Mais à d'autres endroits, ça va être des ronces, ça va être de la lave, ça va être enfin, plein de choses. Donc pareil, il va toujours falloir faire attention à ce que l'on fait et où on met les petites pattes. Alors, ce niveau est également révélateur de la difficulté du jeu. Le jeu en soi n'est pas très difficile. Les premiers niveaux, on les torche vraiment très rapidement. Hein. Surtout que les niveaux sont courts. Avec Simba enfant, il faut 5 minutes maximum pour torcher un niveau, quand on y joue sérieusement. Avec Simba adulte, c'est un peu plus long, il faut une dizaine de minutes, un petit quart d'heure maximum selon les niveaux. Mais franchement, à partir de ce niveau, la difficulté fait vraiment un bond énorme. Les ennemis deviennent plus nombreux, les pièges aussi. Alors que les objets de soins, eux, ils deviennent une matière rare. Hein. Et du coup, ça rend les derniers niveaux du jeu particulièrement extrêmement difficiles à boucler. Hein. Bon, c'est pas les Tortues Ninja non plus, mais à l'époque, il fallait quand même bien s'accrocher. Et même de nos jours, ça peut être difficile de faire les trois derniers niveaux avec Simba adulte. Hein. Un autre problème du jeu, c'est la maniabilité. Alors la maniabilité, c'est dans le sens où les sauts sont parfois imprécis et où le sprite de Simba est trop grand pour les plateformes. Je veux dire, Simba est quand même un joli sprite, hein, mais la plupart du temps, les niveaux sont bourrés de ces petites plateformes-là sur lesquelles il faut s'accrocher pour se balancer et atteindre d'autres endroits. Alors ça peut être des plateformes rocheuses, ça peut être des queues de rhinocéros, ça peut être ce que vous voulez. Le problème reste le même, c'est que les plateformes de ce style sont trop petites par rapport à Simba, et on a toujours du mal à voir où est-ce qu'il va s'accrocher ou pas s'accrocher. Du coup, en fait, la plupart du temps, on est obligé de sauter en plein milieu, en serrant les fesses pour que Simba veuille bien s'accrocher. C'est assez problématique, hein. Alors c'est sur ces petites plateformes-là qu'on va le voir le plus, mais c'est également vrai sur les plus grandes plateformes, comme ces bords-là. En particulier avec Simba adulte, qui a un sprite encore plus grand, et qu'on va avoir encore plus de mal à bien mettre en position pour atteindre les plateformes. Alors, c'est assez gênant, c'est pas non plus super problématique, hein, ça n'empêche pas de jouer, mais ça peut valoir quelques morts un peu idiotes qu'on aurait pu éviter plus facilement. Alors, ceci dit, un autre problème du jeu, c'est... Voilà. C'est comme je disais que la difficulté fait vraiment un bond. C'est assez problématique. Heureusement, je pense que les concepteurs s'en sont rendus compte, puisque plus on avance dans les niveaux, et plus on trouve souvent ces icônes en forme de lion, qui permettent en fait de... qui servent de checkpoint. Ça permet de ne pas se retaper l'intégralité du niveau quand on meurt. Ce qui est plutôt sympathique parce qu'on va crever souvent. Un enfant encore plus qu'un adulte, hein, bien évidemment. Mais vous allez voir, les défauts se révèlent surtout en fait lorsqu'on joue avec Simba adulte. Je vais vous montrer d'ailleurs maintenant un grand exemple de ce qui faisait la grande mode à cette époque. C'était les niveaux en 3D. C'était vraiment le symptôme. Tous les jeux en étaient victimes. Et vous allez voir ce que ça donne sur un jeu Mega Drive, console qui ne peut pas afficher la 3D. Et oui, le grand symptôme de cette époque, le grand virus, c'était les niveaux en 3D. Alors ça peut être difficile à concevoir, mais vraiment la 3D, c'était à l'époque un gros mot presque. Tout le monde bavait sur la 3D, sur la Virtual Boy, sur le Mega CD, sur la PlayStation et la Saturn qui étaient annoncées. Donc beaucoup de jeux se vendaient en prétendant avoir de la 3D dans leur niveau. En réalité, on a plutôt de la fausse 3D, une espèce de 2D avec un effet de profondeur. Alors c'est assez sympathique, hein. Ça enlève pas au fait que c'était quand même assez impressionnant, c'est très beau, très bien animé, très coloré, c'est vif, c'est nerveux, et la musique elle est encore une fois super quoi. Donc vraiment c'est un niveau qui est très réussi, qui rompt en plus avec la plateforme qu'on rencontre dans les autres niveaux, et je pense que c'est une excellente idée qu'ils ont eue pour retranscrire ce moment palpitant du film
qui est sans doute la scène la plus marquante d'ailleurs. Et c'était un excellent moyen en fait pour dynamiser, pour rendre compte de l'intensité des choses. Alors évidemment, encore une fois, pour un enfant, c'est une scène qui est assez difficile, mais pour un adulte, quand on connaît par cœur le parcours des gnous et des pierres, ce n'est pas si difficile d'en venir à bout. Le principal défaut, c'est que la précision est moyenne. Des fois, on va se prendre les pierres alors qu'on a pensé les éviter, ou on va être sur le chemin des gnous alors qu'on pensait les avoir évités également. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour avec Simba adulte. Il est temps de voir, avec Simba enfant, il est temps de voir ce que ça donne lorsque Simba se laisse pousser la crinière. Alors cette fois, c'est le premier niveau avec Simba adulte que je vais vous montrer. Parce qu'au début, j'avais pensé vous montrer le niveau suivant, Be Prepared, qui est vachement plus croustillant niveau contenu, avec beaucoup plus de pièges, ennemis, un plus joli décor. Mais je sais pas pourquoi, quand j'ai essayé de filmer... Je sais pas pourquoi, mon jeu a l'air salement buggé sur ce niveau. Alors j'ai pas voulu m'entêter plus que ça. Je vous ai préparé le premier niveau avec Simba adulte qui est... bizarrement, qui marche bien lui, je sais pas pourquoi. Donc, Simba adulte introduit plusieurs différences dans le gameplay, qui est pas mal, ça renouvelle l'intérêt vu qu'on est à la moitié du jeu à peu près. Puisque le rugissement est plus puissant. Ça permet d'épuiser les ennemis en fait, quand on a le temps de le déclencher, parce que comme il prend 3 secondes à se déclencher, les ennemis ont toujours le temps de vous rejoindre et de vous foutre une baffe. Mais la plus grosse différence, c'est que maintenant Simba peut se battre. Il peut donner des coups de patte, en sautant également, hein, ou en se couchant. Un mouvement qui est assez dur à réussir, je sais pas si je vais y arriver d'ailleurs. Non, j'y arrive pas. Voilà, c'est ça. Et il y a un mouvement caché. Alors ça, c'est un des défauts de cette partie avec Simba adulte. C'est que le mouvement qui permet de vaincre Scar n'est pas expliqué dans le manuel. Il fallait le découvrir tout seul, par pur hasard, en jouant. Ce qui est toujours génial, surtout quand on est gosse. Et qu'on n'a pas forcément l'idée de ce genre de choses. Et cette partie avec Simba adulte est également intéressante. Puisqu'elle introduit quelques... petites énigmes. Bon, ça va pas chercher bien loin, hein. C'est souvent juste casser des ronces qui bloquent le passage, libérer une pierre pour qu'elle aille servir de trampoline pour plus loin. Voilà, par exemple ici, hein, il faut que je donne des coups de griffe pour casser les lianes et pouvoir passer. Alors c'est sûr, ça va pas chercher midi à 14h, mais disons ça coupe un petit peu le rythme plateforme ou action du jeu, et que c'est toujours pas mal, c'est bienvenu pour progresser. Alors les niveaux sont également beaucoup plus longs avec Simba. Avec Simba adulte, je veux dire, si j'y arrive. Les niveaux maintenant prennent une dizaine de minutes à être finis. Certains sont beaucoup plus longs que ça. Hein. L'avant-dernier niveau avec le labyrinthe de grottes, avec les hyènes partout, prend vachement plus de temps. Je me souviens que quand j'étais petite, j'ai vraiment bloqué énormément de temps sur cet avant-dernier niveau. Alors là aussi, c'est une différence. Hein. Comme je le disais, les niveaux avec Simba enfant font rarement plus de 5 minutes. Hein. Donc, pareil, hein, le niveau de difficulté a été largement augmenté, vraiment largement. Les objets de soins deviennent très très rares, et les ennemis, eux, sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus puissants qu'avant. Du coup, en fait, je me suis rendu compte, et c'est toujours vrai maintenant, que la dernière partie du jeu avec Simba adulte est vraiment difficile. Ça fait pas partie du plus difficile qu'on ait jamais vu sur la console, mais c'est quand même très difficile pour un enfant, il faut vraiment beaucoup s'accrocher pour réussir. Et je pense que pour un adulte, c'est à peu près pareil. Même moi, j'ai eu beaucoup de mal à refaire certains niveaux. Et je me dis qu'ils ont quand même un peu abusé sur la difficulté. Elle n'est pas assez homogène tout au long du jeu. Et je pense que les enfants peuvent être tentés de laisser tomber, arriver à cette partie-là, parce que c'est un peu moins du fun et un peu plus de la torture.
Voilà, donc là, ici, vous avez la démonstration de vagues petites énigmes, hein. Libérer des pierres, comme je disais, libérer des passages. Ça va pas chercher bien loin, hein, mais bon, c'est toujours ça qui change de simplement sauter d'une plateforme en plateforme. Ah oui, une autre différence avec Simba adulte, c'est qu'il est avec, enfin, il rencontre des niveaux kiafi d'ennemis à la con, mais vraiment à la con. Alors, je parle pas des guépards ou des hyènes, qui eux sont raisonnables, hein, ça va. Mais les petits singes à qui jettent des pierres, ou les chauves-souris dans Biprépart, justement. Alors ça, c'est vraiment mais des conneries. Ils sont super durs à viser. Ils font quand même pas mal de dégâts lorsqu'ils vous touchent. Et ils vous suivent. Alors ça, pour crever, c'est vraiment le pompon, le summum. Je sais pas comment ils ont pu avoir cette idée, mais vraiment, ils auraient pu ça garder. Hein. Surtout que là encore, encore plus qu'avec Simba enfant, comme je disais, le sprite de Simba adulte rend beaucoup plus difficile de savoir où sont les plateformes, à quel endroit il va s'accrocher, à quel endroit il ne va pas s'accrocher, à quel endroit on va être touché ou pas par un coup. Et du coup, ça complique vraiment les choses plus que ce n'était nécessaire. Puisqu'en plus, alors ça se verra peut-être pas trop là si je me débrouille bien, mais il y a un souci avec les collisions. Je ne sais pas pourquoi, mais Simba adulte a tendance à pouvoir se faire toucher de très loin par les ennemis. Ce qui est également vrai, on peut toucher les ennemis sans les toucher. Là, je ne sais pas si vous avez bien pu voir avec le décor qui était devant, mais le guépard ne me touchait pas, il n'était pas au contact, et pourtant j'arrivais quand même à lui foutre des baffes. Donc pour une fois, les soucis de collision sont pas à sens unique, ce qui fait toujours plaisir, hein. Mais d'un autre côté, ça montre quand même que peut-être la dernière partie du jeu a souffert d'un peu moins de soins que la partie suivante. Alors évidemment, les trucs pour se balancer, il y en a heureusement beaucoup moins, parce que comme pour l'enfant, c'est vraiment galère de savoir à quel endroit Simba va bien pouvoir s'accrocher. Alors les niveaux sont un peu plus longs, celui-ci peut-être pas trop, parce que c'est le premier avec Simba adulte, donc ils ont voulu nous ménager, mais ça permet quand même allonger un tout petit peu la durée de vie. Hein. Je disais, pour un adulte, une heure et demie maximum, c'est largement suffisant pour torcher le jeu. Un enfant, je pense qu'il en a bien pour 5 heures à peu près, on va dire. S'il se débrouille bien, ce serait 5 heures. Donc ça paraît pas énorme, mais pour les jeux de cette époque, c'était une durée de vie moyenne, correcte. Hein. Pas géniale à l'infini, mais correcte. Donc voilà, je vais pas tarder à arriver à la fin du niveau. Donc je pense qu'on a fait le tour maintenant du Roi Lion. Puisque je vous ai montré Simba enfant, Simba adulte, je vous ai montré à peu près le gameplay complet de ces deux phases de jeu. Je vous ai parlé des excellentes musiques, des excellents décors, des soucis avec la maniabilité qui est pas assez précise, qui souffre de problèmes avec les sprites qui sont un peu trop grands par rapport aux plateformes. Mais dans l'ensemble, vraiment, ces soucis avec la difficulté qui est pas homogène, avec les plateformes qui sont difficiles à attraper, c'est vraiment des petits défauts. Là-dessus, j'insiste. J'en ai beaucoup parlé parce que ça se voit naturellement encore plus maintenant avec les yeux d'adulte. Mais vraiment, les petits défauts sont juste agaçants. Ils n'empêchent pas de jouer, de savourer le jeu en lui-même. Ça reste vraiment un excellent jeu de plateforme. Si vous aimez les vieux jeux old school, je vous les conseille vraiment parce qu'il est vraiment excellent. Il fait passer un excellent moment, très agréable à manipuler, à écouter, à regarder. Donc, si vous avez l'occasion, que ce soit sur émulateur ou si vous avez vos vieilles consoles et que vous voulez racheter le jeu, n'hésitez pas, je pense que vous vous ferez vraiment très très plaisir. Et en plus, ça donne envie de regarder à nouveau le film. Donc, que demander de plus? Au fait, vous êtes demandé où sont passés Timon et Pumba, les autres stars du film? Bah, réponse. Et ouais, pendant que certains se cassent le cul à sauver le monde et à laver l'honneur familial dans le sang, et bah ils se baffrent comme des gros porcs. Bon, plus sérieusement, on les retrouve dans des phases bonus qui consistent à manger des insectes en temps limité pour gagner des vies ou des continues supplémentaires. C'est franchement pas du luxe vu la difficulté de la fin de partie, et ça permet de retrouver les deux personnages dans des phases sympathiques. Donc bah écoutez, sur ces bons mots, on a fini le tour du jeu. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de vous y essayer, parce que c'est vraiment un excellent titre malgré les défauts. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Gaming Giza. Ciao, bye tout le monde!